Bonjour, Jean-Luc Reichmann décédé, donc c'est lui qui l'avait annoncé, hein, donc il avait annoncé le 8 mai en disant qu'il allait mourir le 9 mai, donc voilà, donc il avait fait une vidéo qui a été plutôt assez bien partagée, et puis bon, ce matin, il a laissé un message que je vais vous laisser vous voir et écouter. Par contre, j'ai l'impression que c'est sur Paris, donc en fin de compte, il habite en Bourgogne, mais il a un appartement ou une maison. Alors je ne reconnais pas le quartier. Je me demande si c'est. Ça se trouve, ça se trouve, il est à côté de chez moi. Mais bon. Allez, je vous dis à tout de suite pour. Matin, bon week-end à tous. Salut. Bon, bah écoutez, je voulais rassurer tout le monde, tout va super bien. Je suis toujours vivant, donc je suis très, très, très heureux d'être toujours vivant. La joie, la gaieté. Et à ce propos, au cas où, même s'il est très tôt le matin pour aller promener le chien, c'est important, celui-ci est également vivant. Donc, on vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne vie. À Donna. Donc, alors, comme Jean-Luc Reichmann, bon là on a vu qu'il était ressuscité, mais comme il a été déclaré mort, je me suis dit, tiens, le truc qui pourrait être très rigolo à faire, c'est de faire une cagnotte litchi pour lui offrir une couronne mortuaire, hein, pour son décès. Donc, bon, je suis allé voir un petit peu comment il fallait faire et tout. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le gros problème, le temps de faire la cagnotte pour une couronne pour Jean-Luc Reichmann, et on t'imagine la couronne avec écrit à notre regretté Jean-Luc, hein, qui dit rouge du duel. Eh bien, le gros problème, c'est que les émissions ont déjà été tournées jusqu'à fin juin, je crois. Et le gros problème, c'est que bon, si tu balances la couronne maintenant, on la verra pas à l'antenne avant début juillet. Donc, bon, ça vaut pas le coup. C'est dommage, ça aurait pu être super rigolo, mais le gros problème, c'est qu'à force d'enregistrer les émissions, eh bien, on peut pas faire des choses rigolotes sur Jean-Luc Reichmann. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il aura pas sa couronne. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.